Et salut à toi, seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui je vous propose qu'on se mette sur la gueule avec tonton Benji. Ouais, bah écoute, je suis content d'être là comme d'habitude, hein. 1, 2, 3, je suis venu avec mon sac de couchage. Sur une lourde partie Warhammer 40 000, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau, Benji, aujourd'hui? Allez, j'ai sorti les petits nains, je suis venu avec les League of Otan, les gars, ça va chauffer. Ça c'est bonnard, moi je vais vous jouer la Neptus Mechanicus. On avait à cœur de vous sortir un petit peu des armées. Pour ceux qui nous suivent, vous nous avez vu déjà Benji jouer GK, moi vous me voyez beaucoup jouer Dark Angel, on s'est dit on va sortir des armées un petit peu différentes, on va innover, on va s'amuser un petit peu autour de la table de jeu, toujours en format compétitif, toujours sur du layout standardisé pour proposer un maximum de tactiques autour du jeu, toujours en pari à Nexus, en 2000 points et en format Strike Force, mais avec toujours plus de swag, les amis, c'est parti pour le rapport de bataille. Alors les amis, je vais vous présenter ma liste Adeptus Mechanicus, dans laquelle je vais jouer essentiellement des unités Skitari. Alors, petite particularité, c'est que on a aussi envie de tester des choses, donc je vais profiter aussi du codex Agents Impériaux Nouvelle Mouture pour intégrer une unité que je vais prendre en réquisition, qui sont un petit pack de Terminator GK. C'est une des principales faiblesses de cette armée, c'est que même si l'Adeptus Mechanicus propose beaucoup d'objectifs contrôle et une multitude de PV sur la table, c'est pas des PV qui ont une grosse force de tanking, donc j'ai décidé d'aller chercher cette petite unité de Terminator, pas piquer des hannetons, pour voir un petit peu si ça permettait de combler à un moment ou à un autre de la partie un déficit de la liste. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver 3 Skitari Marshall qui intégreront 3 unités de Vanguard respectivement. Il y a un Skitari Marshall qui a le Quantic Trialnet qui permet de donner une double doctrine à une unité Skitari à 12 pouces de lui. On a un Skitari Marshall qui a le Battle Sphere Uplink qui permet de tirer bouger. De faire un mouvement de 6 pouces supplémentaire après avoir tiré. Et enfin, vous avez un Skitari qui est tout nu. Voilà, enfin, il est tout nu. Il a mis sa toge, il a son flingue, mais en dessous, il n'y a rien. Il n'a pas de slip. Voilà. Après, on va retrouver 6 unités Battle Line. Il y a 2 packs de Rangers qui ont la capacité de scout. Et il y a 4 packs de Vanguards qui, eux, ont la capacité de réduire de 1 point d'objectif contrôle les unités ennemies qui sont à 3 pouces d'elle. Sachant que ce n'est pas capé, c'est-à-dire que les unités qui ont un dossier tombent à 0, ce qui est absolument stylé. Ok, ensuite on va retrouver 2 transports, des Dawn Rider, plutôt cool, c'est un transport qui quand même balance 18 tirs force 4 Twin Linked, donc c'est pas déconnant. Ensuite, je vais avoir 2 unités de Pteraxi Skywalker. Alors, ce sont les figurines de Sterilizor, parce que j'ai pas encore les figurines de Pteraxi Skywalker. Petite aptitude particulière des Pteraxi Skywalker, c'est qu'ils vont pouvoir bouger après avoir tiré. Donc en plus, ils ont la frappe en profondeur, ils peuvent tomber à 9 pouces d'une unité ennemie, tirer et rebouger de 6. Donc ça va permettre de faire plein de tricks, de move block, etc. Ou tout simplement, une fois sur table, ça va pouvoir venir contrebalancer de l'OC, faire des actions, faire plein de choses. Voilà. Ensuite, on va avoir 5 infiltrators format Sicarian, 10 Rustalker format Sicarian, 2x3 Ballistari, un Onagre avec ces 3 énormes pruneaux anti-charge. Je crois que c'est le laser à neutrons ou le beamer. Non, je crois que c'est le laser à neutrons qui fait ces tirs-là. J'ai un petit doute. Et j'ai envie de te dire, on a fait le tour, mon gâté. C'est fini, je vous ai présenté 2000 points d'armée. Bon, les forces de cette armée, c'est que j'ai beaucoup d'OC, beaucoup de map control. Les points faibles, c'est que je vis pas longtemps sur la table de jeu non plus. Hein. C'est de l'endu 3, de la save à 4, c'est pas foufou. J'ai quelques unités résistantes que sont les Ballistari, que sont l'Onagre et les Terminator GK pour le coup. Mais après, sinon, je fonds un peu comme neige au soleil. Néanmoins, ça demande une certaine saturation de la part de l'armée qui affronte les Skitari. Je pense véritablement que je peux amener un match difficile à Benji avec ses Votan. C'est pas fait, hein, honnêtement, je trouve que les Votan sont un excellent codex et une excellente armée. Il a une unité avec laquelle je vais avoir beaucoup de mal à dealer, c'est les motos, parce que pour le coup, ça sature très bien, donc ça va vite me lessiver mes petits packs. Mais on va essayer d'offrir le maximum de positions à Benji avec ce gameplay qui, à mon sens, c'est un gameplay d'harcèlement, donc qui va consister à engager un peu l'OC, annuler les primaires et à essayer de rentrer plus de points que lui, même si à la fin de la partie, il me reste un Marshall, celui qui n'a pas de slip d'ailleurs, au fond de la map avec son pétard. Voilà. Je laisse Benji présenter son armée et on passera immédiatement par la suite à la présentation de la table de jeu, du scénario et des décors. Allez, c'est parti les gars. Écoutez, aujourd'hui je suis bien content, je suis venu avec mes petits nabos, là, la League of Otan, c'est une armée que je n'ai pas beaucoup joué, mais que je trouve
trop cool dans le caractère et en plus elle est... Vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez, je la trouve vraiment très très belle mon armée, donc je suis très content de la sortir aujourd'hui. La composition de l'armée, je vais avoir 3 persos, je vais jouer 2 persos en 2 champions Terminator, les deux auront la FEP, donc ils pourront se téléporter sur la table. Il y en a un des deux qui aura un announcement qui est hyper important, qui s'appelle Uprising Glare, qui va permettre de, à la phase de commandement, de désigner un objectif qui est contrôlé par mon adversaire, et toutes les unités en aura l'objectif auront un token supplémentaire sur la tête, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite je vais jouer un Khal, qui sera mon Warlord. Le Khal, il aura l'announcement qui s'appelle Grim Demnor, qui va permettre d'ignorer les modificateurs. Ça c'est pas mal, il va aller rejoindre un gros gros bloc de 10 Terminators qui seront en plasma et qui sont là pour aller chasser un peu les trucs forts de la méta, qui notamment aiment bien les moins 1 dégâts, les choses comme ça. Donc là on va ignorer tous les modificateurs, AOC, ce genre de trucs, donc c'est une unité qui est assez forte, assez punchy. Le reste de mon armée ça va être un bloc de 10 guerriers qu'on ira splitter. Une partie avec des armes spé et une partie qui sera juste là pour tenir mon objectif. On aura les fameux Yegir, la nouvelle unité d'infiltration qui va me permettre de pouvoir aller faire un cordon au milieu de la table pour pouvoir permettre à mes scouts de se lancer sur la table. Donc ça c'est hyper important aussi dans la liste d'armée. Et après on va avoir pas mal de véhicules, on aura 3 Sagittors. Dans les Sagittors il y aura 2 Sagittors qui seront remplis avec 5 Berserks qui sont là pour aller mourir au corps à corps. Il y aura 2 Land Fortress, il y aura 3x3 motos et c'est tout. Allez mes petits potes Wargamers, je vous présente rapidement la table de jeu, le scénario. Je vous rappelle d'ailleurs, il me reste encore un petit peu de stock des excellents sets d'objectifs Team Creative Wargame, des 7 zones de terrain Team Creative Wargame et de ce bête de tapis Team Creative Wargame. Hein, il est aussi estampillé au nom de la team et surtout dans lequel vous retrouvez tous les déploiements de Nexus Paria. D'ailleurs, sur ce scénario, nous allons jouer en marteau et en clume. Donc, c'est cette zone ici là de 18 pouces de mémoire, 18 ou 20, je sais plus, je crois que c'est 18. Voilà, donc avec les deux bandes qui sont là, c'est de l'Andor qu'on va se déployer. On va jouer en supply drop. Donc une fois qu'on sera déployé, on va déterminer un objectif du No Man's Land, à savoir il y en a 3. Il y en a un qui va disparaître au T4 et un qui va disparaître au T5. Sachant que au scoring du primaire, les objectifs dans nos zones ne comptent pas. Seuls les objectifs du No Man's Land comptent. Et au T4, il ne restera plus que 2 objectifs, ils vaudront 8 points chacun. Et au T5, il ne restera plus qu'un objectif, il faudra 15 points. Encore une fois, c'est un scénario où on aime quand même plutôt bien jouer en second, de façon à pouvoir poser son cul à la fin de la partie sur un objectif qui vaut 15 points. C'est toujours plus confortable. En ce qui concerne les décors, on joue sur les layouts solo que maintenant vous commencez à connaître, avec les zones de terrain en 12 pouces par 6, qui sont des occultants, les grandes ruines, les petites ruines, avec les petites ruines qui sont toujours considérées comme fermées sur l'étage du bas, mais en l'occurrence là, bah, c'est le cas déjà. Vous avez aussi des petits blocs de conteneurs. Là, tout le reste que vous voyez, c'est de l'ordre du décoratif. Et vous avez aussi des petites zones de terrain qui, elles, sont juste occultantes, il n'y a pas de décor dessus, donc les véhicules peuvent traverser à leur guise. J'ai fait le tour de la présentation de cette table de jeu, les amis. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez profiter en achetant le matériel de la chaîne ou en tipant sur notre Tipeee de notre playlist Prime actuellement, la playlist Prime, pardon, actuellement 43 vidéos disponibles sur la playlist Prime, des reviews de codecs, des analyses de matchs, des débriefs de matchs, des débriefs de tournois qui sont faits par moi-même et par aussi d'autres joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez profiter en soutenant la chaîne d'un contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la sphère Wargame francophone. Voilà mes petits potes, vous avez l'armée Admech qui est ici, prête à se déployer. Vous avez l'armée Votan qui est ici, qui prend beaucoup moins de place, prête à se déployer. Vous avez Benji qui est ici, qui est en attente. Et on va se déployer, on se retrouve juste après. Allez les amis, on vous présente les déploiements de cette partie. Côté Admech, côté Votan, bah écoute Benji, je vais te laisser l'honneur de nous présenter ton déploiement. Allez, ben mon déploiement, il est assez simple. Je rappelle qu'on joue sur supply drop, donc on ne connaît pas encore quel est l'objectif qui va rester jusqu'à la fin. Donc j'ai essayé d'équilibrer ça. J'ai mis mes Yegir qui sont ici, qui vont pouvoir aller se propulser sur le centre de la table et aller faire des cordons. Ici, là-bas, je vais avoir un Sagittor avec un pack de Berserk à l'intérieur et 3 motos. Tout ça, ça a scout, donc ça va pouvoir se redéployer en fonction de quel premier tour. Ici, on a un centre assez fort avec, pareil, 2 Sagittors, 1 de Berserk et 1 de guerrier.
Derrière, on a une petite forteresse, une grosse forteresse qui est vide. Ici, on va avoir les 5 guerriers qui, en fait, c'est l'autre moitié de l'escouade qui est ici, qui va pouvoir venir stick mon objectif. Ici, on va avoir une deuxième forteresse et on a deux packs de motos qui sont là. Pareil, on va avoir du scout move, donc on va pouvoir s'en déployer. Et du coup, il va y avoir dans les airs, on va retrouver les deux persos thermiques qui sont là. Je vous invite à celui-ci qui est vraiment cool avec sa petite chope de bière. Allez, et il est stylé. Et là, actuellement, il est dans l'espace en train de se boire une énorme pinte. Avec son pote, il se tape une pinte. Et après, il va y avoir la brique de thermique qui est ici avec le cal qui est mon. Et pas, il se tape une timpe. Avec mon cal qui les accompagne. Tout ça, c'est dans l'espace. Et ça, c'est ce qui est dans les véhicules. Voilà. Allez, ça roule. Ça, c'est pour le côté Votan. Donc, pour les Xenos, parce que les Votan sont estampillés Xenos. Et de mon côté, alors moi, je vais avoir mis mes deux blocs de 5 Terrax 6 Skywalker en FEP, ainsi que mes 5, ma réquisition de GK en FEP. Les 4 gogols que vous voyez dans le coin de la table, en fait, sont en vérité dans ce transport-là. Donc, ce transport-là contient les 10 Rustalkers. Ici, vous avez 10 Rangers qui scoutent. Ici, vous avez 10 vétérans Vanguards. Alors, c'est pas du tout des vétérans, juste des Vanguards, eux qui scoutent pas, mais dans lequel on retrouve le Battlesphere Uplink, donc le Skitari Marshall qui leur donne le tir plus move. Ensuite, vous avez un Dunrider, un transport avec un autre pack, tout comme eux, de Vanguards qui scoutent, donc ils vont donner scout au véhicule. Et après, ici, j'ai mis 2 unités de Vanguard. J'ai posé 2 blocs de Ballistari Lascan à chaque fois ici, parce que sur cette map, on a quand même 2 jolis couloirs de tir. Donc, je vais pouvoir asmater. Et puis voilà, là-bas, il y a un autre pack de Rangers. Bon, je pense avoir fait le tour. Hein. Ici, il y a le Skitari Marshall qui donne le Quantic Trial Net. Voilà, et ici il y a le Skitari Marshall qui est en slip sous sa toge, là, celui qui n'a pas de relique. Benji, il m'a mis des petits tokens parce que c'est son armée qui le permet. Il y a 4 unités qui ont mangé le double token d'entrée de jeu. Donc un bloc ici, le deuxième bloc ici, l'onagre que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, il était un peu caché. C'est pas facile de cacher un onagre et pourtant j'ai réussi. L'onagre qui est ici, je vous rappelle que l'onagre, outre le fait qu'il ait une belle arme de tir, il donne 4 plus invulnérable au petit gâté battle line à côté là. Donc ça fait plaisir. Et voilà. Et la quatrième unité qui est double skité, là-bas. Ce sont les. Alors ça c'est le petit tips de Benji. Parce qu'en gros, il part du principe côté 1, il va regagner 3 PC parce qu'il va réussir à venir me les tuer avec ses fucking mobilettes. Donc voilà. Et bien écoutez les amis, on a fait le tour. Je pense qu'on peut lancer le dé pour savoir qui fait ses scout moves en premier. Allez. T'as pas de scout move d'ailleurs? Ah si, on a au taquet de scout move. J'en ai plein. Moi je te fais un joli 5. Et toi tu nous fais un joli 1. C'est moi qui ai le premier tour. Je scoute, il scoute, on se retrouve après les scouts. Allez, les scout moves ont été faits les amis. De mon côté, j'ai push de 6 pouces mon Dunrider avec les Rangers dedans. Et là, j'ai push aussi mes petits Rangers de 6 pouces vers le centre. J'ai le premier tour. De son côté, Benji, bah, lui, il a fait l'inverse. Hein, donc, il a dépush. Là, il s'était exposé un petit peu avec les motos. Il est sorti des lignes de vue potentielles avec les Lascan. Tac, il est rentré un petit peu dans le renfoncement. Et il a fait à peu près la même chose aussi de l'autre côté. Et au centre, bon, il a poussé un petit peu ses véhicules Sagittor qui ont des moves scout pour occuper un petit peu plus d'espace, gratter quelque part. Ça peut être salvateur à un moment donné pour aller chercher des objectifs, faire des actions, chercher des lignes de vue, faire tout ce que vous voulez. Voilà les amis, on va commencer donc le tour 1. Allez les amis, début du premier round de bataille. On vous a présenté le déploiement, la map et tout ce qui va bien, les armées. On vous a fait les scout moves, on attaque donc ce premier round de bataille. Moi, en ce qui concerne Leptus Mechanicus, j'ai la possibilité, d'ailleurs, ce n'est pas la possibilité, c'est une règle inhérente à l'armée, donc on va le faire tant qu'à faire. De choisir une petite doctrine, j'ai 2 options. Soit je choisis un plus 1 à la CT, soit je choisis un plus 1 à la mêlée, sachant qu'il y a un petit trigger supplémentaire pour chacun des 2 choix. Le plus 1 à la CT m'offre aussi d'imposer un moins 1 à la mêlée à mon adversaire pour les battle lines et les unités à 6 pouces de mes battle lines. Et le plus 1 à la mêlée offre aussi un plus 1 PA pour les battle lines et les unités autour des battle lines. Là, au vu du tour 1, de manière générale, je ne vais pas tirer. Donc, le plus 1 à la CT, le plus 1 à la PA ne me servent pas. Ce qui va potentiellement me servir, c'est de passer un moins 1 à la mêlée s'il décidait de venir me contacter
avec des berserks ou je ne sais quelle connerie. Donc pour ce tour 1, de toute façon, je vais juste faire du placement. Une fois ça fait, mon Skitari qui a le Cantic Trinet va permettre de donner une doctrine, la double doctrine au pack de Skitari qui est sur mon flanc. Donc eux auront tout. Ils ont le plus 1 en CC, le plus 1 en CT, le plus 1 en PA. Enfin, j'ai gagné la partie de manière générale grâce à cette unité. Et pour finir, j'avais un truc à dire, c'est qu'on a tiré les objectifs. Des objectifs bien merdiques sur le terrain, mais on a l'habitude. Donc dans un premier temps, j'ai tiré Assassinat bien ennemi line. Bien ennemi line de terrain, on peut le dégager. Donc derrière ça, j'ai tiré Overwhelming Force. Donc deux objectifs que je ne peux pas faire parce que mon adversaire, d'un, n'a pas de personnage sur la table, de deux, a des unités sur son objectif que je ne peux pas atteindre en termes de ligne de vue. J'ai donc utilisé mon PC pour cycler l'assassinat et j'ai tiré un glorieux locus, donc faire une action à 6 pouces du centre. Donc je pense qu'on peut la faire depuis l'arrière du mur, normalement sur ces maps-là. C'est ce que je vais faire. Et puis c'est tout, pas grand-chose. Donc ça va être un petit tour de farfadé. Un petit peu tranquillos, comme ça, l'Adeptus se met en place. Il y a un tech priest derrière son ordinateur qui est là, qui envoie les ordres d'attaquable. Allez-y doucement, objectif secondaire de merde. On se retrouve à la fin de ma phase de move. Allez, je vous explique très rapidement mon tour 1 parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Globalement, ici, il n'y a rien qui n'a bougé. Parce que de toute façon, j'ai pas de ligne de vue. Et surtout, en fait, pour l'instant, je ne veux pas proposer que ce soit de ligne de vue ou de charge possible sur ces unités là. Pourquoi? Parce que cet objectif là, c'est celui qui reste au T5, donc il va me falloir de la ressource à long terme là dessus et donc je veux pas du tout engager ici. Donc l'idée pour moi, ça a été de faire une advance avec cette unité là pour voir où est-ce que je pouvais la dégager. J'ai fait 1 à l'advance, sachant que j'avais pas de PC puisque j'ai utilisé mon PC pour cycler mon objectif. Donc en fait, je suis resté là. Je me suis encagé le plus possible ici pour lui donner le moins de ligne de vue. Donc en gros, la ligne de vue, elle est là. Je l'ai tracé là. Donc ça va lui demander un gros mouvement. Je pense pas que son véhicule puisse le faire. Les motos, je pense pas qu'il puisse toutes les mettre. Donc hormis en sortant potentiellement les berserks pour venir chasser ça, ça va être difficile pour lui de prélever les 5 mecs ici. Ce qui m'arrange, parce qu'en fait, ce que je veux faire ici, c'est l'obliger à engager des ressources pour que moi derrière je puisse sortir les lascans, sortir quelques unités de tir, laver tranquillement sans m'exposer. C'est prélevé sans être prélevé. Donc eux, bah, ils contrôlent l'objectif. Il y a deux figurines qui sont sur l'objectif, le minimum de ligne de vue possible et surtout bah, au tir, il ne peut pas venir les chercher par là. Et donc il doit faire le tour ici ou alors engager des unités de corps à corps. Ça, c'est le premier point. Ici, bah là, j'ai engagé un maximum d'ossés sur l'objectif. Je vais faire locus pour 2 points avec eux. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mecs sur l'objectif. Ça fait 10 points d'ossés. Je doute pas une seconde qu'eux vont se faire laver le cul, mais bon, c'est légit, c'est normal. L'idée, bah, c'est de l'obliger à engager encore une fois un maximum de choses. Derrière, c'est rester caché dans son véhicule. Je ne me mets pas sur cet objectif-là puisqu'il ne m'apporte rien. Et accessoirement, bah, ça pourrait lui donner des idées s'il a un overwhelming force ou je ne sais quoi. Donc on prend le réflexe de jamais occuper un objectif qui ne sert pas à part à donner des secondaires à l'adversaire. Derrière, ça n'a pas bougé. Là-bas, ça a un petit peu bougé, par contre, légèrement. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste engagé mon transport ici. J'ai suivi avec l'onagre de façon à ce que bah, s'il me pète mon transport, les mecs qui débarquent puissent être à 6 pouces et gagner la 4+ invulnérable. Là ici, ça n'a pas bougé. Et là, j'ai déjà commencé à venir chercher ces mouvements-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette zone de décor, cette zone de terrain d'occultant qui est un peu embattante. Et si j'anticipe pas le fait qu'il va pouvoir s'encager là-dedans et se cacher, après, en fait, mes poulets vont trop courir depuis l'arrière ici. Je vais avoir besoin de 2 séquences de mouvement, en fait, pour pouvoir venir chercher ce trou-là dans la map. Donc, en engageant un mouvement au T1 ici, au T2, je pourrais potentiellement venir avec une advance chercher les lignes de vue là-dessus. Donc, voilà. Et puis, bah, j'ai pris cet objectif-là. Il n'y a que l'objectif. Il pourra me le récupérer assez facilement. En gros, il devrait pouvoir me faire tomber mes points de primaire, mais ça va lui demander un petit peu de ressources. Puis, c'est ça l'idée. Puis, après, derrière, on verra ce que je serai en mesure de faire. Voilà pour mon T1. Rien de plus. 2 points seulement de locus. Et je laisse la main à Benji pour son T1. T1 de Tonton Benji, j'ai tiré mes secondaires, j'ai eu Storm et Overwhelming. Il y en a un qui est reparti dans le pack parce que je peux pas le faire au T1 et je peux le renvoyer. Et du coup, j'ai tiré Locus. Donc, on a en fait exactement les mêmes tirages. Sauf que moi, je suis sur les objectifs. Toi, tu es sur les objectifs, donc fumier. Je vais essayer de te laver. Fumier de Damo.
Allez, on se retrouve à la fin de phase de mouvement du terrain de Benji. Allez, mais gâté, fin de la phase de mouvement de Benji. Tu nous racontes ce que t'as fait, Benji ? Ouais, alors j'ai pris le parti de venir ici avec les Jaeger pour aller charger cette unité. J'ai positionné un Sagator ici, il y a quelques motos qui doivent pouvoir voir aussi pour si je peux un peu aider au tir, parce que je pense que ça suffira pas au cac pour les laver. L'objectif, c'est de laver ce pion, de lui faire lâcher ce primaire-là. Ici, les Warriors, ils sont descendus, ils ont désembarqué, ils sont venus faire Locus, donc je vais vous faire un petit 2 points de Locus. Ici, j'ai décalé les véhicules, alors lui, il n'aura pas de ligne de vue, mais je me suis décalé ici pour avoir un axe sur le transport qui est ici. J'ai pris le parti de te laisser scorer ici tes 5 points, te deny là et te deny là-bas. Donc là, c'est pareil, les Berserk sont descendus, ils ont bougé de 5, ils sont là, ils ont une charge potentielle. Je suis pas sûr que ça passe, mais j'ai pas moyen de trouver d'angle de tir. J'ai sûrement dû trop reculer avec mon mouvement scout parce que j'ai eu peur des poulets. Et puis voilà, l'idée, au moins je te deny ici, je te deny ici. Si je peux faire du scoring de secondaire, c'est bien. Les motos sont repliées. J'ai commencé à envoyer les forteresses vers là-bas parce que de toute façon, la game, pour moi, elle doit se décaler vers ce pion là-bas qui est... Celui qui reste au T5. Ouais, c'est surtout qu'en fait, j'ai quand même plus d'unités vers là-bas, mais il est plus facile à défendre pour toi parce que dès que je vais passer derrière le mur, à chaque fois, tu vas me voir et toi, tu peux rester et le protéger en fait, tu vois. Tu peux être de ce côté. Donc, il faut que les hécatons, elles se ramènent par là-bas. Voilà pour ma phase de mouvement. Ok, bah écoute, phase de tir, il va y avoir... du piou-piou là-dedans, et après du close et du close, c'est quelques petits jets de dés, c'est pas incroyable, je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour pour savoir un petit peu ce que ça donne. Ok les amigos, bon, fin du tour de Benji, il n'y a rien eu de spectaculaire qu'on n'attendait pas, hormis le fait que il a lavé quand même mon transport avec ses 3 véhicules. Alors c'est pas exceptionnel dans le sens où il touchait à 4 et j'avais pas de défense. Par contre, bah, j'aurais pu pour un PC utiliser mon smoke pour l'empêcher de me faire du dégât et le laisser toucher à 5. Je l'ai pas fait parce que j'ai voulu être gourmand et puis je veux garder mes PC. Mais en fait, bah écoute, ça m'a coûté un châssis. Je pense que c'est une petite erreur de ma part de pas avoir utilisé ce smoke là. Si c'était à refaire, je l'utiliserai le smoke pour un PC. Voilà. Après, bah il a tiré dans les mecs au centre. Il a lavé 6 mecs. Il a chargé avec son pack d'infiltrateurs. Là, je sais plus comment il s'appelle. Les Jaeger. Il a lavé le reste des petits bonhommes. Tu vas contacter le véhicule ? Ouais, tu peux taper. Ok, je te taperai avec le véhicule. Et puis, après, il a envoyé ses 5 mecs qui ont très très bien tapé. Ils ont tapé tout à fait normalement en fait, hein, parce que j'avais le double token. Donc en plus, ils gagnent 3 PC, puisqu'ils viennent tuer une unité d'infiltrator qui était sous le token, double token du jugement en début de partie. Ce qui fait que c'est plutôt cool. Et voilà, il a engagé du coup 2 unités sur les objectifs. Et on va passer à mon tour. Bon là, je garde quand même un primaire, je vais mettre 5 points de primaire. Lui, il va mettre 5 points d'overwhelming parce qu'il m'a tué 3 unités en l'occurrence qui étaient sur les objectifs, donc il le cap au max. Et il a fait le petit locus comme il a expliqué avec ses petits guerriers qui sont là. On passe immédiatement sur le T2. Round 2, Lance Amigos, Benji a 6 PC parce que grâce à ses rancunes et à ses votanes, les 2 jumelés, ça fait beaucoup de PC. Je vous l'ai expliqué précédemment comment il a gagné les points de commandement. Moi, je passe à 3 PC sur ce tour-là. Je vais tirer en secondaire behind et le midline. Non, pardon, engage all front et sabotage. Donc, voilà, on y va, on va saboter, on va engager tous les fronts. C'est pas un super tirage parce que là, ça aurait été le bon moment d'avoir un truc avec un petit peu de kill. Je vais avoir 2 unités à prélever. Il faut absolument que je le fasse tomber à 0 de primaire. Je peux pas me permettre de le laisser mettre du primaire parce qu'il a déjà pris l'avantage sur le tour 1. Et en plus, il a l'avantage de jouer en second. Donc là, si je le laisse petit à petit gratter, prendre 3, 4 points d'avance sur chaque tour, en fait, c'est une partie que je peux plus remonter. Donc là, je suis obligé de m'engager pour dire, ok, je vais te laver tes 2 unités pour que tu mettes 0 de primaire et que j'essaye de me positionner pour être sûr de pouvoir conserver du primaire pour le prochain tour. Donc là, le secondaire, au final, pour l'instant, n'est pas trop ma priorité, bien que j'ai des unités pour faire engage probablement à 2 points. Je vais voir si je le fais ou non. Je vais essayer surtout sur ce tour-là, potentiellement de voir si que j'arrive à move block avec les Pteraxi. On va voir ce que je fais. On se retrouve à la fin de ma phase de move pour un petit temps de réflexion et je vous débriefe tout ça. Allez, phase de mouvement, il s'est passé plein de choses. Alors déjà, moi, j'ai fait mes mouvements. J'ai sorti mes gunners hein, dans tous les sens. L'idée, c'est évidemment de saturer ça.
Ensuite, j'ai désengagé mon véhicule ici, ce qui a permis d'activer un React Move sur ces gars-là. Il a fait 4 sur le D6, du coup, il est sorti le plus possible. Il a rajouté un maximum de monde sur l'OC. J'ai mes gunners de l'autre côté qui sont aussi sortis. Là, j'ai mis du monde sur l'objectif, j'ai avancé. Ce petit monde a avancé. Mes petits piafs sont arrivés en FEP. J'ai fait arriver un pack, histoire de prendre un point de quart de table. Et surtout, ils vont tirer et bouger de 6. Du coup, ça va permettre de venir move block potentiellement un petit peu, là, les deux unités. Voilà, et par la suite, Benji a rapid ingress sur cet objectif-là. Donc, il a fait arriver son pack de 10 thermis. Il a mis une petite papate ici sur l'objectif. Et puis, voilà. Donc voilà pour mes moves. Je vais passer à la phase de tir. Alors, on va commencer la phase de tir, mes petits potes. Première séquence, je vais activer les oranges qui sont là. Donc, eux, c'est eux qui ont la double doctrine. Donc, ils sont PA-1, ce qui fait que la sauvegarde à 6 ici va sauter. On va avoir les 21 tirs d'anti-infanterie 4+, ici. Et après, il y a le tromblon et son pote électrofusil qui verront. Je rappelle qu'il y a un Skitari Marshall. Donc, ça fait 21 tirs qui vont toucher à 3 en full reroll. Et bless à 4. Je balance la sauce et on se retrouve pour compter les morts. Allez, le pack a fini de tirer. Et bah, écoutez, les gars, on a lavé 4 Berco. C'est un PV, donc je vais pas m'embêter plus longtemps. Là, ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais utiliser 2 PC pour augmenter de 1 la PA de cette unité et de celle-ci, et elles vont cibler les Terminators qui sont là. Alors, eux, on s'en fout parce qu'ils sont PA-3 de toute façon, et je serai sur la vue à 5, mais là, ça va me permettre en fait de gagner une PA-1 et de le faire tomber sur sa save à 3, donc de créer un petit peu plus de dégâts. J'espère qu'avec les deux unités, on va réussir à enlever du monde. Je vais tirer avec eux en premier, bien que je pense que tout le monde est en fait, j'ai pas de problème de ligne de vue sur les packs de thermi, mais donc voilà. Donc là, on va essayer de saturer un maximum les Terminators. Ok, donc ici, ça a tiré. On enlève qu'un seul Terminator et un PV. Les Ballistari ici ont rien fait. Bah, elles se sont cutées. Elles ont fait, malheureusement, elles ont validé que 2 touches. Je fais 4-2. Et après, bah, il y a une blesse qui passe pas. Il me fait une invue sur la dernière. Donc, ça passe, ça fait rien du tout. Et ici, après, les Vanguards qui sont là. On fait un gars et un PV. Alors, je fais une petite erreur, c'est que j'ai claqué 2 PC pour augmenter de 1 ma PA, mais j'ai oublié qu'il avait une armure du mépris sur son armée. Donc, en fait, j'ai claqué 2 PC, lui en a claqué qu'un. C'était pas très malin de ma part, mais voilà. Et puis voilà, on passe à la suite. Du coup, j'ai ce pack là de Vanguards qui va avoiner là-dedans et probablement eux qui essaieront de tuer le reste. Voilà. Et après, pour la fin, eux ils feront leur tir histoire d'eux et après ils bougeront. Et je pense que globalement ça mènera à la fin de mon tour. Ok, donc au centre, ben, eux se sont activés. On l'avait 8 gars. Benji m'a laissé ces deux là. Du coup, ça m'a permis en fait de faire le move parce que eux, ceux qui ont le battle uplink Mekuyanski, donc ils ont repris leur position initiale tout caché. Eux, du coup, n'ont pas de cible. Ils sont un petit peu comme des sgegou. Eux ont tiré, ont fait absolument rien du tout sur le véhicule, mais surtout ont bougé après. Lui est venu barrer le passage au véhicule, du coup le véhicule ne peut pas passer ici, et puis il est venu bloquer un petit peu là. Voilà. Et pour finir, bah, je vais envoyer à la charge mes petits Skitaris, et ça commence fort les gars, T2, j'envoie des Vanguards au combat. J'envoie mes Vanguards au combat contre ces deux sgegou. Et charge à 7 validée, du coup c'est parti, on va au corps à corps. J'ai chargé, je vais faire mon peeling, je vais taper, normalement je devrais pouvoir les laver. Avec la full reroll des touches, ça va le faire, et puis le Skitaris. Harry Marshall et son pote l'Alpha ont un peu de PA, donc voilà, et après on regarde ce que ça donne. Ok, donc ces deux là sont morts, ce qui me permet de faire l'acquisition d'un joli petit token de rancune. Je fais 2 points de quart de table avec l'arrivée de mes des Pteraxi. L'Onagre qui est ici, qui n'a pas tiré et qui a des lignes de vue sur personne, va faire le sabotage dans son décor. Et puis eh ben, écoutez les amis, on finit mon T2 là dessus. Allez, c'est parti, début de mon T2. J'ai commencé par scorer 5 points de primaire grâce à l'intervention, grâce à la faible de mes Terminators là-bas. Ça m'évite d'avoir utilisé un CP pour réussir mon test de Battle Shock avec mon petit gars. Et donc du coup, j'ai tiré Storm Hostile Objectif que j'ai recyclé avec un PC parce que je ne veux pas venir sur ce côté-là de la table. Je vais plutôt partir par là-bas. Et j'ai eu Containment et le recyclage m'a donné nos prisonniers. Donc plutôt un tirage plutôt cool. On va essayer de scorer le maximum de points et de deny chez notre ami Alex. Allez, let's go, on se retrouve à la fin du move du T2. Allez, fin de mouvement du T2 pour Benji. Bah, je vais te laisser nous expliquer. Allez, je vais expliquer. Les motos qui étaient là, elles se sont positionnées pour avoir une ligne de vue tout en étant cachées. Elles vont essayer de laver ça. Au pire, s'il y a besoin, il y aura des tirs complémentaires ici. Ici, les deux forteresses ont pris une ligne de vue sur le véhicule qui est ici. Voilà, il a lancé le sabotage. Si j'arrive à le faire tomber, ça va quand même lui faire mal. Ici, je suis venu me positionner, coller au mur. Il y a les Berserkers qui sont dedans. Ici, j'ai sorti un Sagittor qui est venu mettre un pied sur l'objectif. Et les petits nains, les Warriors qui étaient derrière, sont rentrés à 5 pas pour remonter dedans. Voilà.
Les motos qui étaient ici ont pris position juste ici afin de pouvoir tirer sur le pack qui est ici. L'idée c'est de, je pense que je vais peut-être pas tuer des unités entières, l'idée c'est d'essayer de réduire ton potentiel de létalité. Là je vais en tuer le maximum, abîmer ça, et là-bas de l'autre côté, le petit nain il a réussi son test, donc il a lancé containment. Le pack ici, c'est positionné sur l'objet. Il va, j'hésite encore à est-ce que je lave ça avec l'appui des motos. En gros, je mets tout pour laver ce pack parce que c'est anti-infanterie, ça me fait quand même mal. Ou est-ce que je tue les canons parce que tu m'as raté une fois, tu me rateras peut-être pas deux fois. Je me laisse encore ce choix à faire. J'ai un petit gars qui a fait pissi. Le fait que tu es chargé, ça m'a laissé un petit trou. Du coup, je fais pissi, je fais containment chez toi. Et puis voilà. J'ai toujours un petit gars en FEP. J'ai ça dans les véhicules. Et puis voilà, c'est pas mal. Ça va shooter. Bon, globalement, ouais. T'as annoncé un petit peu sur tout ce que tu voulais shooter. On va se retrouver à la fin de la phase de tir pour voir ce qui s'est passé. Et je vous commente en cours de route parce que la phase de tir, il y a quand même beaucoup de choses. Et il va y avoir une phase de tir d'ailleurs, je pense. Donc là, en gros, il m'a lessivé 9 mecs dans le pack. Il reste juste le Skitari Marshall et son poteau et son sniper. Donc ça, c'est les motos qui ont fait ce travail-là. Ensuite, il m'a fait tomber à 1 PV. Mon Onagre, il a tout mis. J'ai utilisé mon PC pour smoke. J'ai pris 3 véhicules et voilà, bah c'est ça va, j'ai survécu à un PV. Après il a mis cette voiturette là qui ne voit que les bleus et ça n'a absolument rien fait. Il a mis les motos qui étaient là dans les Pteraxi, il en a laissé un seul et unique, et après bah, en gros il lui reste maintenant à choisir ses tirs, où est-ce qu'il va distribuer les pruneaux qui sont là, savoir si ça part là-dedans, si ça split, on sait pas, on va le savoir très bientôt. Il décide donc de mettre les motos dans mes petits skitaboules. Ok, donc fin du séquençage. Les motos ont lavé pas moins de 8 skitari là-dedans. Et les Terminators ont tout engagé dans les châssis. J'ai utilisé mon dernier PC pour passer le Finopain à 5. Et il m'a tombé un petit pouletos. Voilà, on arrive à la fin de son tour. Il m'a quand même lavé ce pack-là. Bon, il reste des mecs, mais il m'a lavé ce pack-là, il m'a lavé ce pack-là. Et il m'a lavé ce mec-là. Il m'a tombé l'Onagre à 1. Il m'a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts sur ce tour. C'est très compliqué. Il va mettre 0 points de nos prisonniers. Néanmoins, tu vas le conserver, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, je pense que je vais le garder. Tu veux le garder. Et l'autre secondaire que tu avais, c'était Containment. C'est Containment, je fais 6 points. Voilà. Et on va passer immédiatement au T3. Ok, début du T3. Je vais donc scorer 5 points de primaire ici. Je vais faire mes Battle Shock, mais ça changera rien de façon sur mes points de primaire. On a tiré mes deux secondaires. J'ai chopé Area d'Ineal, Cult Zord, que je ne peux pas faire, donc ça dégage. Et j'ai chopé Secure No Man's Land. Facile. Voilà, les amis, on attaque donc ce T3, c'est parti. Ok, les amis, la table est belle quand même. Il faut le dire que ce tapis est stylé, cet objectif l'est tout autant. Je vous parle même pas des zones de terrain. Et en plus de ça, vous y rajoutez ces deux magnifiques armées. Là, on est sur le haut du panier en termes de wargame, c'est absolument cool. Allez, fin de ma phase de mouvement du T3. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais pas vous mentir. Je suis dans le dur parce que Benji joue en second, parce que mon tirage secondaire ne me permet pas de le coller au scoring ou de passer devant, et parce que il me lave très bien mon infanterie, et globalement je pense que j'ai fait une terrible erreur en début de partie, c'est d'avoir mis mes mecs ici. C'était une excellente. Parmi le niveau de mauvaises idées, je pense que celle-ci se place très très bien. Ça c'était une grossière erreur, et de ne pas avoir utilisé le smoke c'était une autre erreur, et d'avoir utilisé le moins 1 PA c'était encore une erreur, et je pense que ça fait beaucoup trop d'erreurs à mon goût. Quoi qu'il en soit, au niveau des mouvements, là les Rustalkers ont fait leur plus belle advance à 6, donc c'est cool. Il me reste un PC, je le claque dès maintenant, il sera utilisé pour advance et charge avec ce pack là, donc j'aurai plus de PC sur ce tour. Les petits camarades Ballistari se sont avancés, on va tirer, on va charger, on va lui rentrer dedans. Là honnêtement, je tente un petit peu le baroud d'honneur sur cette partie. Il y a mes Terminator GK qui sont arrivés, qui vont faire les charges. Eux, bon, sur une petite charge, mais ça va charger. Les poulets vont tirer charger. Eux, bon, ils sont arrivés en FEP, ils doivent arriver au T3. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai aucun tirage de secondaire qui est intéressant. Parce que, donc ils arrivent là. Il a gardé nos prisonniers en main, donc l'idée pour moi, ça va être lui donner de moins d'unités possible. Ce qui fait que eux se sont repliés. On va essayer de laver ça.
Un petit tirage d'assassinat, tu vois, ça aurait fait plaisir ce tour-là. Mais la vie ne l'a pas voulu. Donc on va essayer de lui tuer ça. Je vais sacrifier pour lui limiter ses points de nos prisonniers. Je vais lui envoyer mon petit poulet au corps à corps en espérant qu'il soit capable de me le tuer. Voilà. Eux, ce qu'ils ont fait quand même, c'est qu'ils se sont mis au centre. Lui s'est mis à 3 pouces de ça, ce qui lui permet de faire tomber de 1 point d'ossé son véhicule. Il était haussé combien avec le véhicule ? 3, je pense. Je vais dire un peu au hasard. Ouais, donc en fait, ça me sert un peu à rien ce que je viens de faire. Je vais réfléchir à ce move-là. S'il est regarde si je suis pas 2. S'il est intéressant. OC3. OC, tombe à 2. OC3. Donc tu tombes à 2 et moi j'ai 2 points d'OC sur l'objectif. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il faut que je sorte mon personnage. J'ai laissé mon personnage derrière. Pour s'il me tue ça et qu'il n'arrive pas à me tuer les deux en même temps, ça évite de lui donner trop de points de nos prisonniers. Mais en fait, mon personnage va devoir venir se mettre ici obligatoirement. Voilà. Et ensuite, là-bas, c'est un peu le bazar. J'ai mon Onagre qui a fait un repli stratégique. Benji a décidé de ne pas l'overwatch parce que ça ne l'intéressait pas. Il garde ça pour un tirage de breakdown éventuel. Les petits bleus sont passés derrière l'occultant. Ici, on a bougé. Et puis maintenant, ben, on va avoiner. J'aimerais bien réussir à lever ça au tir. Ça ne va pas être évident. J'ai que 4 tirs de la scan parce que j'en ai un qui peut pas, qui n'a pas de ligne de vue. J'ai 4 tirs de la scan. J'ai le tromblon, l'électrofusil. J'ai les 18 tirs de mes ratatas. Et c'est tout quoi, et c'est tout, donc je sais pas si ça va suffire. Ce serait bien qu'il y ait un petit coup du destin. Ce serait bien que Mars envoie un petit message à mes technogures pour leur envoyer le signal. Voilà, et après ici c'est pareil, on va tirer, on va essayer de faire un maximum, il faut que je fasse du dégât. Là j'ai pas le choix, il faut que je deal un maximum de damage. Ok, fin de mes tirs. Bon, globalement, les deux balistari ici ont enlevé 2 motos. Ça s'est bien passé à la touche, ça s'est bien passé à la blesse, mais c'est sur le D6, ça a un petit peu planté. Ici, les 5 thermiques qui sont là ont pu enlever le PV restant, donc j'ai pu enlever un Terminator de plus en moins du côté des Votan, et j'ai enlevé le Berkos qui était tout seul à 1 PV avec mon lance-flamme. Ici, là, c'était assez efficace par contre, mes 2 Balistari ont lavé le châssis. J'ai passé les touches, j'ai passé 2 blesses non sauvegardées et je lui ai fait 12 PV. J'ai fait un 6 et un 4 au D6 plus 1 damage. Donc ça a permis de soulever one shot ce châssis-là. Les 5 mecs ont débarqué. Alors outre le fait qu'ils soient battle shock, je les ai saturés avec ces deux-là, le véhicule et ces deux-là. Et ça m'a permis d'enlever 4 figurines. Donc là, vu qu'il est dans l'aura de mon moins 1 dossé, quoi qu'il arrive, de toute façon j'ai 3 dossés. Donc il ne pourra pas avoir cet objectif-là. Ça, c'est une bonne chose. Après, là-bas, comme je vous l'ai dit, je me suis caché. Et après, bah, j'avais globalement plus de tirs. Si, j'ai pas fait les tirs, pardon, je vais les faire après. Je vais avoir tous les petits tirs là-dedans et les petits tirs là-dedans. On le résolvera après. Et après, maintenant, je vais avoir mes charges. Bah, je vais tenter en premier ma charge à 9 là-dessus. Ça peut être rigolo. Et sinon, après, tout ça va charger dans les thermis. Je pense que je vais aussi envoyer mon châssis là-dedans. Je vais y réfléchir 5 minutes. Et là-bas, ça va charger dans les mobilets. Ok, bon, ici, eux ont réussi leur charge. Les thermis ont raté. Là-bas, j'ai envoyé mon Gustavo mourir au charbon. Et puis bah, ici, j'ai enlevé que 2 pev ici sur le patron qui est là. Ce qui nous amène à la phase de corps à corps. Je vais évidemment activer les Rustalkers en premier. Je pense que j'en aurai un qui derrière qui tapera pas. Les autres, à mon sens, pourront taper. Je vais faire le mouvement de peel-in et après je tartine. Et on se retrouve après. Bah, j'ai fini ma séquence de corps à corps. Je vais avoir réussi à enlever 4 Terminators ici. Le fait est que leur arme n'est que PA-1, et je passe en PA-2 parce que je suis en doctrine de mêlée. Cependant, Benji a évidemment utilisé une AOC pour être sur sa sauvegarde à 3. Donc vu que je suis qu'en force 5, je blesse sur du 5 et bon, j'ai pas de relance. En fait, bah, j'ai réussi à faire 4 BM et puis des saves non sauvegardés, plus après les BM du patron, etc. Et eux ont fait un PEV là-dessus. Et là, on s'en fout. Et là, j'ai enlevé un lourd PV ici, là-bas, au corps à corps. C'est incroyable. Et donc, du coup, on va voir la réponse ici, dans le corps à corps. Et puis là-bas. Et on se retrouve à la fin de mon tour. En retour de cette expérience incroyable, les Terminators ont tapé dans les Rustalkers et leur ont joyeusement enlevé 4 camarades. Du coup, on n'est plus que 6 ici. Les châssis sont intacts. Ici, il n'y a plus qu'une moto. Je m'en suis pas trop mal tiré sur ce tour, j'avoue. J'ai pu faire du dégât.
Là, ici, le fait d'avoir réussi à salver tout ça, d'ailleurs, on l'a fait un petit peu hors champ, mais j'avais zappé que j'avais la RA d'Inéal, donc il fallait que je charge. J'ai réussi à l'enlever le dernier PV du mec, donc ça, c'est plutôt cool. Après, pour ce qui est du reste, on a réussi un petit peu à éteindre les thermis, ils sont loqués au corps à corps, donc voilà. La moto ici est toute seule. Les motos qui sont là-bas, bon, ben, elles sont engagées, il va falloir qu'elles désengagent et tirent, donc ça va coûter des PC, il ne peut pas le faire des deux côtés. Et puis après, là, pour l'instant, il est un petit peu encagé là-dedans, même si là, il y a encore du monde à sortir. Donc on va serrer un petit peu les fesses, il va y avoir du poids de nos prisonniers, je pense qu'il fera 5 points de nos prisonniers quand même, malgré tous les efforts que j'ai pu faire. Et voilà. En ce qui me concerne, je mets mes 5 points d'Aéra Linéale et je mets 5 points de Secure No Man's Land. C'est un tour où je respire un petit peu. On va voir ce qui se passe du côté de Benji, ce serait bien qu'il ait un tirage de merde. Allez, je vais croiser les doigts pour que Benji ait un tirage de merde. J'ai nos prisonniers déjà. T'as nos prisonniers, mais pour que la deuxième carte soit vraiment une carte de merde. Je vais faire 0 de primaire. Et tu fais 0 de primaire. On passe immédiatement à ton T3. T3 de Benjamin. De Benjamin. T3, j'ai tiré, j'avais qu'un seul secondaire à tirer. J'ai tiré Engage on the Front, les cartes de table. J'ai toujours nos prisonniers. Il y a quelques trucs qui sont bien abîmés, donc je devrais pouvoir faire du Pundos. Le seul problème, c'est que j'ai scoré 0 de primaire, malheureusement. Et après, là-bas, il commence à être un peu plus fort que moi, donc il va falloir que je rapatrie des forces de ce côté-là de la table. Voilà, c'est parti. Ça tourne, on a un invité d'exception dans le studio. C'est Rosie et Elena qui nous accompagnent. Donc si vous entendez des petits pleurs, c'est pas grave. Allez Benji, je te laisse nous commenter ta phase de move. Allez, bah, phase de move, on essaye de pousser vers là-bas parce que ça va jouer là-bas dans les deux derniers tours. Il y a cet occultant là qui me gêne énormément, mais pas le choix. J'ai désengagé, on a regardé, je voulais désengager ici de ce côté, mais je peux pas éclairer un pas, donc je peux pas venir. Il faut savoir qu'en termes de règles, il a le droit, parce que c'est pas une nécessité de le faire. Enfin, il doit pas être le faire que quand il est obligé. Il peut le faire s'il a envie de traverser mes figurines. Donc en fait, de faire un désengagement en Desperate Escape, c'est-à-dire tuer ses figurines sur un 2+. Enfin, sur un 1 et un 2, il a des figurines qui meurent, mais en fait, ça lui permet de traverser mes modèles. Et du coup, bah, son idée eût été de me traverser pour garder de l'OC sur l'objectif, laver ça, et en fait, m'éviter d'avoir, s'il arrive à tuer que ça, en fait, que mes gars ici contrôlent l'objectif. Sauf qu'en fait, comme il a que 5 de mouvement, et que moi, j'ai des gros socs de 40, etc., c'est un move qui, malheureusement, ne pouvait pas faire. Il aurait fallu qu'il y ait une ou deux figurines en moins. Donc voilà, et, du coup, il s'est désengagé. Je te laisse Exactement, je me suis désengagé. Les motos sont venues là, le Sagittarius ici. L'idée, c'est de tuer le plus de choses possible. Malheureusement, je pense que tu feras quand même 8 points de primaire ici. Les hécatons se sont poussés là, j'ai chopé une ligne de vue ici, on verra. Lui, il est venu, il est sorti là, le Sagittor, il y a toujours les berserkers qui sont à l'intérieur. Lui, il a fait Nadvens, lui, par contre. Non. Non, non, lui, non, c'est lui qui a fait Nadvens. Non. Non, non. Il y en a qui a fait Nadvens. Bah, c'est elle, en fait, je crois, du coup. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus. Ouais, ça. Non, lui, il était juste là. Il était là-bas. Non, ça, c'est bon, tout ça, ça tire. Tac, tac, tac. Les motos, elles ont payé leur CP pour désengager tir. Elles se sont mis là parce qu'il faut que j'essaye de clean ça. Ça paraît compliqué quand même. Ensuite, j'ai tiré en gauge, donc j'ai fait rentrer le petit bonhomme ici. Il y avait un trou. Celui qui se tape des timpes, des peintes. Ouais, celui qui a la peinte, là, il est là. Il a une charge à 9, on verra si je l'attends ou pas. Ici, j'ai avancé pour pouvoir charger ça. N'oublie pas que j'ai nos prisonniers à faire. Donc l'objectif, c'est de tuer ici, ici, ici. Ça, c'est pour le nos prisonniers. Et après, pour le deny, il faut essayer de tuer le plus de choses ici. Et il faut essayer de tuer ici pour enlever la létalité. Voilà. Allez, on se retrouve une fois que la poussière est tombée. Allez, c'est parti. Allez, il me reste à savoir que moi il me reste un PC, Benji il reste 3 PC. Moi honnêtement mon PC je vais le garder en main. S'il m'entame trop vite ça, ça me permettra éventuellement de passer le Fino Pain là-dessus. Donc voilà, je vais voir. Et si jamais, je verrai. Mais dans l'idée c'est vraiment de conserver un maximum mes unités là. Prends la phase de tir en cours de route. Alors on a ce châssis là qui a tiré là dedans, on a cette moto là qui a tiré là dedans, et là on vient de faire on vient de finir la dernière activation de ces 3 motos. S'il me laisse un Rustalker à 1 PV, sachant que j'ai utilisé mon PC pour absorber un maximum de dégâts avec le Fino Pain à 5, donc en gros il lui reste à tirer l'Hécatone qui est là, le Sagittor, et après t'as plus de ligne de vue. Voilà. Okay. Et après, évidemment, on a aussi le débat de savoir si les 3 mecs, il a gardé effectivement ses PC pour faire le Sustain Hit 2 sur le pack de 10 pour essayer de me faire tomber du primaire. Là, il ne me fera pas tomber le primaire, c'est sûr. Donc après, ça va être, est-ce qu'il va être capable de me faire tomber le primaire là-bas? Ouais, sinon, tu vas faire 16. Sinon, ça fait 16 à monter 4. Ça fait mal. Ce qui sera appréciable ouais. Pour moi, pas pour lui.
On continue ses tirs. Ok, donc Benji a utilisé son Sagittor, il a utilisé son bolter lourd, Ratata, il a réussi à prélever le dernier, donc ça lui mettra son point de nos prisonniers. Et après, avec ses tirs anti-char, il a tiré là-dedans, ça n'a absolument rien fait, il est passé à côté. Donc là, il va utiliser, c'est un ou deux PC ton sustain? C'est un? Un PC. Il va utiliser un PC, donc il est à 3, il passe à 2, et il va envoyer la rafale là-bas dans mes Skitari. Sachant que, il m'a mis un token, je crois, hein, c'est ça? J'ai un token sur, sur eux, ouais. Donc en fait il me touche à plus 1, moi je lui mets moins 1 et en fait il ignore, bon, en gros il va me toucher à 3 et il va sustain 2 fois, donc ça c'est cool. Allez, on se retrouve savoir si ça tient, sachant que je suis en 4 plus invulnérable parce que je suis dans les 6 pouces de mon underground. Bon, ça se joue vraiment sur le fil, c'est assez insane. Okay. J'ai un mec qui survit ici sur l'objectif, il me tue 9 gars, donc j'ai qu'un gars qui survit. J'ai pas encore utilisé mon PC pour évidemment me sauver au moral, donc lui vaut 8 points. Donc ça c'est quand même dur pour Benji de me laisser un PEV. Et c'est pareil, donc en fait il a fait tirer ses Ratata là-bas et il a fait tirer ses shotguns ici. Il m'a enlevé un PV au shotgun uniquement et après ces 4 mecs ont tiré, sauf que eux, à l'instar des motos, ils ne bénéficient pas du bonus sur lui, donc il m'a raté. Donc du coup, j'ai lui qui survit à un PV, j'ai un gars qui survit. J'avoue que je m'en sors vraiment très très bien parce qu'en fait, il va pas mettre de points de nos prisonniers et il y a encore quelques tirs là. Il a un hécatone qui peut tirer là-dedans, on va voir s'il arrive à prélever un châssis. Mais pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, on serre fort fort les fesses. On a les tech priests qui sont avec nous là dans une sphère un peu au-dessus de Mars. Et a priori, ils envoient des bonnes ondes, donc on va voir si ça continue. Fait notable, encore une fois, j'ai les tech priests qui sont au-dessus de la table. Hein, vous ne les voyez pas, mais je pense qu'ils y sont. Pourquoi? Parce que notre petit Benji, ce filou, il avait envoyé le buveur de pinte. Et ce buveur de pinte, il n'a pas qu'une pinte et une pioche dans sa main, il a une belle arme. Et il a essayé de se farcir ce petit gars. Il s'est complètement cuté. Il a fait 2-2 et as à la blesse. Et il a claqué son PC reroll parce qu'il se dit c'est le moment de le buter, ce mec là vaut 8 points et il a refait un as reroll as. Donc j'avoue que j'ai eu... Là on peut appeler ça de la chatte vraiment vulgairement. Ici par contre ce gars là a enlevé les deux gâtés qui étaient là avec le Skitari Marshall, ce qui lui permet de mettre deux unités déjà de nos prisonniers. Et après on va voir la charge, donc c'est qui charge? Je l'ai raté ce coquin aussi. Je te charge avec ça? Ouais, ça marche. Charge à 5. C'est une charge à 5. Et après t'as d'autres charges? Bon, je pense pas. Ah si, là-bas. Ah oui, et là-bas, t'as dit que tu tentais ta charge à 9, je crois. J'ai là-bas, et puis là, et puis on verra bien. Ok, donc là, Benji, il valide sa charge ici. C'est une petite charge qu'il a réussi. La charge du mec qui arrivait en faible, c'était une charge à 9. Eh bien, il a réussi, donc ça lui a permis de m'engager mes guerriers qui sont là. Et puis on est pas mal. Là, ici, il n'y a pas de charge utile, parce que de toute façon, il ne peut pas ramener assez d'OC sur cet objectif-là avec cette moto. Et puis voilà, est-ce que tu as autre chose que tu veux tester, Benji? Non, c'est bon. Le désengage là-bas, c'est natif, hein, c'est pas avec un PC. Non, là, désengage-tir, c'est natif avec okay, eux. Donc il n'y a pas de rien d'autre. Ok, c'est bueno pour moi. C'est bueno? Ouais. Tu veux commencer par... De toute façon, c'est toi qui déroule, parce que j'ai pas de PC. T'as pas de PC. Donc là, on lui fait dérouler tous ses corps à corps, et après, je taperai, et on se retrouve pour scorer la fin. Ok, donc fin de la phase de corps à corps, je vais partir là-bas. Ici, les Warriors ont éclaté mon petit Pteraxi, ce qui valide quand même pas mal de points. Là, ici, ça s'est cuté. J'ai fait 2-6 à l'invu, donc j'ai savé. Et puis là, il s'est cuté aussi. Mais quoi qu'il arrive, Benji finit son tour avec du lourd primaire parce qu'il va mettre 5 points de nos prisonniers et 4 points de quart de table grâce à ses petits persos qui sont vraiment bien utiles. Hein. C'est très, très cool dans cette liste. Et on clôture le tour là, ce qui va nous permettre de basculer sur le T4. Je vais mettre 16 points de primaire, ce qui n'est pas déconnant. Cet objectif-là va disparaître. Et on va tirer mes secondaires, sachant que je gagne un PC que je vais immédiatement cramer pour sauver lui au moral. C'est d'une évidence sans nom. Et voilà. Allez, on se retrouve pour l'annonce de mes secondaires. Ok les amis, tour 4. Donc comme j'ai dit, voilà, la séquence de primaire, on vous l'a déjà scoré. Je vais tirer Cleans. Et Containment. Containment, ce qui n'est pas un tirage déconnant. Je vais faire mes moves et on se retrouve ensuite. Allez, fin de la phase de mouvement. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, mes Terminators ont avancé de 5. Ça leur fait une charge à 6 sur les copains qui sont là. Les Pteraxi qui étaient ici ont fait une envolée lyrique. Ils sont en dehors de ma zone de déploiement. Ils vont faire un containment ici. Le châssis qui était là a fait un petit quart de tour, frein à main, marche arrière. Et il va faire un cleanse là-dessus. Mes deux châssis sont venus se poser là
pour essayer de bloquer un maximum le débarquement et faire des trucs. Là ici, j'ai bougé, j'ai fait passer un maximum de mecs de l'autre côté du mur. Les gars ont désengagé, on va essayer de mettre des tirs dans lui. Il y a Alaskan qui s'est mis en portée de lui, les autres sont positionnés. Lui va clean sur cet objectif et le châssis va faire containment là. Voilà, et après on pourra mourir gentiment là-bas, mais au moins on aura fait nos points de scoring. Voilà pour ça. Phase de tir, ça va être assez rapide en fait, parce que j'ai pas énormément de tirs, j'ai beaucoup d'action. On va surtout savoir si j'arrive à laver ce petit gars. Lui a désengagé, il n'aura donc pas de tir. Et puis après, on verra si la charge à 6 passe dans les thermis. Allez, je fais les tirs là-bas déjà, on va voir si j'arrive à tuer son petit perso. Et puis on se retrouve ensuite. Fin de ma phase de tir, c'est un beau craquage aussi. Je fais un PV sur un thermis ici, avec mon lance-flamme. Je rate, je fais rien sur la moto, les Lascan font rien sur le Sagittor. Là ici, de toute façon, j'avais pas de tir sur lui. Et lui, je lui ai rien fait avec les quelques tirs que j'avais. En vrai, j'avais pas beaucoup de tirs. En fait, j'ai tous mes Lascan qui ont complètement cuté. J'ai 3 Lascan, enfin j'ai 6 Lascan qui ont tiré. J'ai pas passé une blessure, bon, c'est comme ça. Du coup, bah, j'ai mes actions et après, j'ai juste à résoudre en fait ma charge à 6 sur les thermiques qui sont là. Et on y va. Ok, charge réussie ici. Donc j'ai collé un maximum de monde. Là, je vais m'activer en premier évidemment avec les Terminators. Et du coup, bah, comme j'ai valider cette charge, je vais activer aussi la charge ici qui réussit, ce qui va me permettre de contacter ici et ici pour empêcher qu'il puisse push si jamais il y a un gros craquage. Donc je vais activer mes thermis en premier, tac tac tac, je vais avoir toutes les attaques de ces mecs, j'ai chargé, je gagne donc mon lethal hit, je suis en force 6 moins de 2, il peut encore utiliser son armure du mépris, ce qu'il va faire, et on y va pour les tartines. Bon, fin de la séquence, qui n'est pas trop en ma faveur, mais c'est vrai que l'armure du mépris du coup quand même switch la game. Mes 5 thermis ici vont réussir à enlever qu'un seul thermis. Accessoirement, c'est un mec qui était amoché, mais on s'en fout, j'ai fait 2 dégâts. Du coup, ça va lui permettre lui de s'activer et il va m'enlever 3 Terminators en retour. Voilà, il a sa moto qui pourra taper sur mon châssis. Et globalement, ça m'amène à la fin de mon tour. Je vais scorer 4 points de cleanse et 6 points de containment. Et je vais rendre la main à Benji qui va encore une fois sur ce tour mettre 0 points de primaire. Voilà les amis, on va tirer son secondaire et on se retrouve au début de son T4. Allez, on finit la phase de mouvement de Benji. C'est showtime hein, les amis, c'est très très showtime sur cette partie. Qu'est-ce que tu nous as fait Benji? Je te laisse expliquer. Tu veux un petit point de score quand même pour tenir? On oui. Est à 63 pour toi, 37 pour moi. Donc c'est quand même... 63, 37, ouais ok. Si je fais... Il y a moyen que je fasse 7 points. Donc je reviendrai à 43. Je serai loin quand même, tu auras 20 points d'avance à la fin du tour. Ouais, ok. 63, ouais, ok, c'est chaud. Après, alors, on part du principe aussi que là, tu... Je vais peut-être faire 15. Bah, que tu mettes... pour moi, tu vas mettre tes 15 points de primaire et moi, je vais mettre plus de points de primaire. Hein, j'ai capé mes primaires, je ne mettrai plus de points après. Donc, c'est comme ça. Vas-y. J'explique. J'ai tiré Extend, donc eux, ils sont là, ils tiennent l'objet. Oui. Les motos sont rentrées ici. L'idée, il reste un point de villa, un point de villa. Si je peux faire péter les deux, je prends. Oui. Le petit bonhomme n'a pas bougé. On verra sur quoi il chargera pour loquer. Lui, celui-ci, va te charger là. Ça mange pas de pain. Et après, j'ai débarqué. Je suis venu faire Aéradonial avec mon véhicule. Je ferai que 2 points parce que tu as des petits bonhommes qui sont ici. Oui. Et ici, je suis descendu. Eux, ils iront faire du corps à corps là où il y a besoin. J'ai désengagé, j'ai payé mon PC pour pouvoir tirer. Donc, du coup, j'ai toute ma masse de tir. Hein. Vous voyez, il y a une grosse partie de mon armée qui est là et qui va essayer de laver tout ce qu'il y a ici. Yes. Et voilà. Et moi, il me reste un PC. Je vais voir si. Je vais voir si je finopane, je suis pas sûr honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, mais je vais voir. Je vais voir selon comment tu séquences tes tirs, on verra. On laisse faire ses tirs, on se retrouve à la fin des tirs, on vous fera une petite coupure en cours de route pour suivre avec intérêt ce qui va se passer. La phase de tir en cours de route, les potos, bah écoutez, il m'a enlevé, il m'a laissé un thermis à un PV, puis après il m'a tombé mes deux balistari, la dernière a explosé, ce qui a tué mon dernier thermis. Ça a pas mis de PV là, ça a mis un PV là et ça m'a mis un PV supplémentaire là. Il lui reste encore une hécatone à tirer qui décide de tirer sur le châssis qui est là. Non, sur les petits gars. Sur les petits gars, donc ils te mettent moins un hit. Et puis on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Allez, fin de phase de tir, il m'a enlevé 2 ptéraxis supplémentaires. Maintenant il charge. Les berserk ont validé la charge sur mon véhicule. C'était une charge facile, c'est passé. Là ici la charge, je pense que c'est une charge à pas de doublas. Bon, il y a un 5 au moins, donc bim. C'est bueno José. Et après... Ici, je vais charger... eux, ils peuvent désengager. Désengager les tirs. Je vais charger eux. Les véhicules? Ouais, le véhicule. Ok, ça marche. On s'en fout. Je peux repasser derrière l'autre côté. Ça marche. J'espère que tirer mon assassinat sur le dernier tour, ça serait vraiment une aubaine. Parce qu'il me nargue avec ces deux persos qui capent des PV, des points depuis tout à l'heure, là. Et eux, ils ont fait 8, donc ils viennent là. Ouais, ils sont sereins. Je voulais un truc épique, les gars.
Il est où son personnage là? Il est où le gars? Écoutez, j'ai 3 PV sur mon Marshall. D'accord? Il est arrivé, il m'a toqué de l'épaule, il m'a mis 2 mortels. Après, il s'est cuté à la touche à la blesse, j'ai fait une invue, j'ai réussi. Il lui restait 2 PV, je lui ai soulevé avec mon petit Marshall. Voilà. Et il m'a fait quand même 4 PV là-bas. Et maintenant, il va taper sur le châssis. Là, j'ai pas de malus à la touche. Donc, mais t'as pas. Si t'as un token vert. Ouais. Donc t'as un plus un hit, du coup tu touches à 3. Ok, on va voir si tu le pètes. J'ai force 9. T'as en du 9, on a dit? J'ai en du 9, ouais. Sur ouais. Du 4. Ça fait 5. Il y en a 5, t'es que PA-2, je crois, pour 3 dégâts par contre. Ouais. Il y en a 5, du coup à 5 plus. Allez, on va voir si je le sauve comme un goré. Je prends beaucoup trop de PV. Est-ce que j'explose? Ça me ferait bien gaulerie. Je n'explose pas. Par contre, je meurs. Dès que je tue pas, il me fait très mal. Alors les amis, fin du tour. Du coup, je vais décider de blink ici pour un PC avec mes 3 Sirassi restants. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de latitude, de mouvement pour faire des choses. Faut que je fasse un petit point quand même sur ce qui me reste en termes de secondaire. Et parce que là, en fait, à la fin de ce tour, j'ai 19 points d'avance. Sauf qu'en fait, je vais mettre 0 points de primaire et lui va caper les 15 de primaire. Donc en fait, une fois que nos primaires sont réglées, j'ai 4 points d'avance et on a chacun 2 tours de scoring. Sachant que, en fait, il faut faire le point sur ce qui nous reste en objectif secondaire pour savoir comment on peut graber la partie ou pas. Voilà. Allez, on se retrouve pour la fin de cette game. Allez, cinquième et dernier tour. Donc on vous l'a dit, c'est hyper serré. Donc le jeu de secondaire de cette dernière, de ce dernier round va vraiment dissocier l'égalité. Je pense que ça va être difficile de sortir en fait du mouchoir de poche de l'égalité qui en WTC est un delta de 5 points. C'est très serré. J'ai tiré dans un premier temps Brigitte Down et nos prisonniers. J'ai décidé de défausser Brigitte Down parce qu'en fait, je peux le marquer qu'à 2 points avec le châssis qui est là. Je l'ai défaussé pour un PC et j'ai pris Defense Stronghold. C'est 3 points. Au final, j'y gagne au change. J'ai potentiellement 4 points à prendre de nos prisonniers. J'ai 2 unités. On va voir, peut-être. Ça me paraît compliqué quand même. Mais voilà. Donc, du coup, j'arrive sur mon T5. Vous connaissez mes secondaires. Je vais passer en doctrine de tir et puis là en fait je vais me recroqueviller sur moi-même, tuer un maximum de trucs et surtout me sortir de tous les secondaires possibles qu'il puisse faire. Et puis voilà, allez, on se retrouve à la fin de mes moves. Allez, phase de mouvement, lui il s'est éloigné le plus possible et surtout il a fait une aura de tu rentreras pas là avec tes motos, de tu rentreras pas là avec tes motos, mais du coup je te repousse dans l'occultant. Là ici du coup je fais une aura de tu rentreras pas avec tes motos ici. Eux j'ai mis une unité, deux unités, trois unités sur le Defense Stronghold. Eux sont avancés là pour mettre un petit peu de tir aussi sur ces gars là. Les deux là pourront tirer là dedans. Lui pourra tirer sur le petit gars. Il faut que j'enlève le véhicule, le petit gars et puis après je tire les fesses et pour cette fin de partie. Voilà, allez, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir, globalement j'ai réussi sans difficulté à enlever le petit perso qui était là-bas. Malheureusement mes lascans se sont complètement cutés, j'ai fait 0 PV sur ce châssis là et après ici avec mes tirs en fait le fait que j'ai pas amoché ça, mes armes spé n'avaient aucune utilité de tirer là-dedans parce que je peux pas enlever ces PV, du coup j'ai tout mis dans les berserks, on sait jamais, j'ai réussi à enlever 3 berserks seulement, mais c'est comme ça. J'ai un petit move de 6 pouces à faire, ils vont repartir en arrière avec leur petit move et puis c'est tout, voilà, et on va passer au T5 de Benji. T5 de Benji, donc moi je vais mettre 2 points sur validé et 3 si, honnêtement je pense pas qu'il puisse m'enlever les pteraxis, donc je mettrai mes 3 points de son corps, donc je vais mettre 5 points de secondaire sur la fin de partie, ce qui me donne un avantage de 9 points s'il va mettre ses 15 points de primaire, donc ça va maintenant voir sur le tirage de fin, ces tirages de secondaire qui sont assassinat et sabotage. Ça va être chaud. Pas un super tirage sur la fin. Mais bon, c'est le jeu, on va voir les trucs à faire. Tac. Les 3 packs de motos, les 2 packs de motos, 3 packs de motos sont repartis. Et puis on se retrouve à la fin de ces moves. Ok les amigos, fin de la phase de move de Benji. Bon, globalement, il s'est tassé ici pour un objectif, il n'y aura pas de débat. Il a positionné des motos pour avoir un maximum de lignes de vue sur les 2 mecs là, parce que lui, ça lui offre un assassinat et c'est plutôt cadeau. Pas de difficulté. Et puis après, il a pris son hécatone, il a réussi à choper une petite ligne de vue sur un bout d'aile là qui dépasse. Voilà. Et puis c'est bien tout les amis, j'ai envie de vous dire on y va pour sa phase de tir, on se retrouve à la fin, ce qui va clôturer globalement notre petite partie du jour. Ok, petit subterfuge de dernière partie,
Je vais utiliser mon dernier PC pour passer un Lonop sur eux. Donc en fait, il n'y a qu'une seule figurine de son armée qui pourra tirer dessus, c'est elle. En fait, ça annule les potentiels tirs de cette hécatone là. Voilà, bah j'espère qu'en fait ça va jouer là-dessus parce que eux vont se faire lessiver le cul par ces motos-là. En gros, c'est est-ce que son Sagittor va réussir à me tomber mes Pteraxis. Honnêtement, je pense pas. Il est en moins un hit, ça touche à 5, mais ça peut le faire, on sait pas. Donc voilà. Allez, c'est parti. Tu commences par faire quoi, mon petit Benji? Si, on va tirer direct avec lui là-dessus. Ah ouais, ça tire là-dedans. C'est parti. T'as utilisé ton PC pour sustain, c'est ça? Sustain, les tirs. Allez. Bah ça sustain, mon ami. Allez, ça sustain deux fois. Tu touches à combien? Tu touches à 5 du coup. Donc ça sustain deux fois. Ça blesse 4 fois, monsieur. Oh, dur. Allez. Ça blesse 4 fois, tu n'as pas le cover, tu vois pas toute l'unité. Non. T'es que PA-1, je suis sûr de 4 plus. Tac. Ouais, je vois pas toute l'unité, vas-y. T'es sûr, il y en a 4, c'est ça? Ouais, c'est flat 2 par contre. Flat 2, je suis sur ma save de cover, ma save normale, save de cover, donc je suis sur une save à 4. Ah bon. J'en perds 1. Okay. Ok, on continue. Tir de missile force 9. Ouais, sur du 5. J'ai fait un 4. Et les deux gros tirs de missile. Ouais. Il y en a un qui passe. Un qui passe, ça sur sustain, pas, ça fait 2. Ouais. J'ai même pas tué un bonhomme, j'ai tué un bonhomme déjà. Ah, t'as tué un bonhomme. Ah, mais ça sustain, ça fait 2, ouais, c'est vrai. Et ben, ça fait 2. 2. Et c'est flat 3. Et c'est flat 3. Donc là, moins 3. Un vu à 5 pour moi. Ça tue un mec. Ça tue un mec. Il m'en reste un. Forcément, c'est celui qui est sur l'objectif. Ouais, on s'en fout. Donc ça, c'est mort. Tac, okay. Et on est coup, bueno. Et après, bon, bah, les motos, je pense qu'on se privera de jeter les dés. Hein. T'as lavé les packs sans hésiter. Là, il y a 2 tokens, t'as plus un hit, plus un bless. Donc ça lave sans difficulté ça. Ce qui va te permettre de capitaliser tes 5 points d'assassinat. Et le sabotage est fait avec cette figurine-là. C'est cette figurine-là donc, qui va faire dans ma zone. Puisqu'en fait, t'as pas besoin d'être Wally Within. T'as juste d'être bien within my deployment zone. Donc en fait cette figurine là, lui je l'avais pas très très bien placé, ce qui lui va lui permettre de mettre ses 6 points lui, c'est ça? Donc tu vas mettre 11 points de secondaire, c'est ça hein? Ouais. Assassinat et sabotage à 6 points. Donc bien joué et on se retrouve pour l'annonce des scores et la fin de cette game. Ok les amigos, on arrive à la fin de cette partie et je vais laisser Benji nous annoncer le score. Eh ben écoute, grâce aux 11 points que j'ai fait à la fin, j'arrive à remonter à 70 points. Donc 70 points pour moi, 68 pour toi, en comptant les 3 points de défense Strangle. Yes. C'est cool, un beau match nul. Bon match nul. Et je pense que ça reflète bien la game, parce que c'était une game cool. Très serré. Et serré, équilibré, j'ai trouvé. Pareil. Très cool. Je pense que c'est deux armées qui sont, tu vois, qui sont pas nuls, mais qui sont pas non plus top méta. Et du coup, ça fait des parties vraiment chouettes à faire. Moi, je pense que c'est deux bonnes armées. Quand Ouais, c'est des bonnes armées, mais c'est pas des méta killers, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas la Sista, quoi. Non, c'est pas partie des top armées, c'est clair. Moi, j'ai en fait, au début de la partie, pour moi, j'ai un problème avec ta liste, c'est les motos. Et en plus, tu vas bien les jouer. Et en fait, regarde, tu finis la partie, t'as encore, encore 7 motos sur 9. 7 motos sur 9, ouais. Ça lessive très bien les packs. Donc, cette unité-là, elle était dure à gérer. Moi, je pense que j'ai fait une vraie erreur de choix tactique en mettant mon unité d'infiltration aussi proche de toi. Parce qu'en fait, elle ne me sert à rien, si ce n'est à te donner 3 PC. Je crois que tu avais tiré en plus, tu mets des points de secondaire en plus avec. Ouais, peut-être. Parce que tu t'as engagé des trucs parce que ça valait des points. En fait, donc au début de la partie, en fait, cette unité-là est très Ouais, j'ai eu overwhelming, t'as raison. Ça m'a donné vraiment. Mais non, j'étais pas sur. Ah non, t'étais pas sur le jeu. C'est pas celle-ci que t'as. Non, c'est pas celle-là. Non. Je sais plus ce que ça t'a donné, mais. Des PC. Et surtout, ça te permet en fait d'engager. Ça te permet d'engager tes berserk sur l'objectif. Ça me repousse mes FEP pour mon rapide ingress. Et en fait, ça m'oblige à. Engager des trucs, allez les péter. Et au lieu d'aller gérer les motos, en fait, il faut que je gère ça. Et je pense que ça, c'est un mauvais play de ma part sur le terrain. Ça a été une erreur. Voilà, après, pour le reste, j'ai ciblé, je pense qu'il y a un moment où j'aurais utilisé un smoke. J'aurais bien aimé garder mon transport là. Maintenant, je pense que j'ai quand même bien défendu cette zone-là de la map. J'ai fait le choix, après, bon, c'est aléatoire, hein, le supply drop. Au final, le supply drop est là-bas, ce qui est plutôt à mon avantage parce que, comme tu l'as dit, ça t'emmerde vachement sur les lignes de vue. Donc, ça t'oblige à push vachement de trucs pour venir chercher des trucs à la con. Donc, ça, c'était plutôt à mon avantage. Maintenant, t'as le T1, et je pense que le T1 est cool sur supply drop parce qu'en fait, t'as vu, tu prends 15 points de primaire sans difficulté à la fin.
Donc voilà, c'était vraiment une partie super chouette. Moi je fais une erreur ici, je pense. J'ai voulu justement préserver les motos parce que je les trouvais fortes dans le match-up. Et en fait, je pense qu'il y a au T3, je dois vraiment plus sortir avec les motos pour te laver et pour être sur l'objet. Ouais. Et dire, ok, je vais perdre les motos, c'est pas grave, mais au moins, parce que t'as fait 16 en fait. C'est ouais, ce 16 là qui me met pas bien en fait. C'est ce gars, hein, c'est mon ski. C'est le mec que j'ai raté avec mon mec. Il a jeté la pinte comme ça et il l'a pas tué. Ce gars-là, je vais le trouver, je sais plus c'est lequel, mais il s'appellera Benji. Certain. Voilà, en tout cas, c'était une super partie. C'est un rapport de bataille plus court que d'habitude parce qu'en fait, on tenait pas spécialement à vous présenter les GD. L'idée, c'était de vous montrer un peu les mécaniques des armées et puis surtout les choix qu'on fait selon le tirage de secondaire, etc., etc. J'espère que ça a été lisible pour vous. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment, mais j'en suis déjà convaincu. C'était très cool. Merci à tous de nous suivre. Je vous rappelle que ça coûte rien de mettre un petit pouce la vidéo. Lâchez le petit com, ça mange pas de pain. Je vous rappelle aussi que tout ce que vous avez sur la table est en vente en lien dans la description, les objectifs, le tapis, les zones de terrain. Voilà, ça permet à la chaîne de se saucer et vous, ça vous permet d'avoir le matériel le plus stylé de tout ce fucking wargame francophone, les gars. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait le tour et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame avec sans doute de nouvelles armées, de nouvelles choses encore une fois.